Eh bien bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui une pince de musculation qui est prévue pour effectuer d'un renforcement musculaire, notamment au niveau de la main et notamment au niveau d'une remise en forme, éventuellement au niveau des doigts. Particularité de cette pince, déjà, c'est qu'elle possède un grip caoutchouté qui assure effectivement une bonne prise en main, aussi bien de l'intérieur de la paume qu'au niveau de la prise au niveau des doigts, donc ça ne glisse pas. Le corps métallique fait d'un alliage d'aluminium, la rentrée légère. Elle est équipée d'un ressort en acier inoxydable. Un bouton bolté que vous voyez ici sert à régler la puissance que vous voulez mettre sur cette pince pour l'exercice. Il est évident que, bien sûr, plus vous allez diminuer, c'est-à-dire en tournant comme je le fais à l'instant, vous voyez que le rail à l'intérieur se déplace vers l'intérieur de la pince, alors que si au contraire je visse, eh bien la tige ici du ressort qui va se positionner en face du repère va vous indiquer effectivement une pression de plus en plus forte. Il vous faudra donc plus de puissance pour l'exercice. Alors il est évident que pour éviter une tendinite, il est préférable de toujours commencer petit. Hein, donc le mettre au plus bas, car le geste qui peut vous paraître sur l'instant tout à fait anodin, en fin de compte, risque de se transformer ensuite en une douleur que vous aurez du mal ensuite à endiguer. Vous avez également, je sais pas si on le voit bien devant l'écran, voilà ici, vous avez ce qu'on appelle un compteur numérique, qui se remet à zéro grâce à ce bouton-ci. Hein, il suffit de le tourner pour remettre les chiffres à zéro. Vous voyez? Voilà, là on le met à zéro. En plus, vous avez la possibilité, en appuyant sur le bouton, de pouvoir faire tourner exclusivement que le chiffre des dizaines si vous le souhaitez. Hein. Voilà. Et sinon, dès lors où vous le tournez dans son intégralité, vous remettez le compteur à deux chiffres complètement à zéro. Ici, vous avez un interrupteur que vous voyez ici, là, qui, par l'action de la poignée sur cet interrupteur, va générer le nombre d'impulsions que vous allez générer. Ce qui veut dire que lorsque vous allez prendre la poignée, le fait d'emmener la poignée au contact fait que votre compteur va défiler et va vous donner le nombre exact durant votre exercice. Donc, il est préférable de procéder. Bon, moi, c'est un conseil à titre personnel, hein. Vaut mieux essayer de faire des séries de 10. Donc, ce qui veut dire que votre compteur va indiquer 10. Au bout de 10, vous arrêtez, vous passez éventuellement à l'autre main, vous recommencez à nouveau. Avec 10 impulsions, comme ça votre main a le temps de se reposer, vous repartez, et comme cela pour environ 3 ou 4 fois, et puis ensuite, eh bien, ça suffit, c'est pas la peine au départ d'aller plus loin, parce que sinon vous allez finir par générer au niveau de votre avant-bras, notamment ici, vous finirez par sentir une douleur, ce qui n'est pas l'effet recherché. L'effet recherché étant pour certains soit une rééducation de la main, donc il faut commencer à petite puissance. Pour ceux qui ont besoin effectivement de renforcer d'une manière évidente la pression au niveau de la main, eh bien vous montrez graduellement, grâce effectivement au réglage qui est incorporé sur cette pince de musculation, vous montrez graduellement, directement le bouton de façon à monter au plus haut de plus en plus. Voilà. Donc cette pince de chez Tomshaw est vraiment très bien, très légère. Vous pouvez l'emmener partout, hein, en voyage, au bureau, quoi que ce soit. Voilà. Et ben écoutez, très bon produit. Et puis ben, je vous laisse faire votre choix. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.